l'Internet Manager Club a lancé l'IMC Awards. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va fêter les 4 ans du club. On avait envie, comme chaque année, de faire une très très belle soirée pour fêter dignement cette nouvelle année. Et on a lancé effectivement ces trophées avec un très très beau jury. Le président du jury, c'est le directeur général de Voyages SNCF. On a aussi des gens d'e-commerce magazine, du journal du net, d'Air France, La Redoute, Menlook, Envie de Fraise, l'UDA, l'Axel, l'IAB. Donc des associations professionnelles, des grands comptes, des start-up, des médias. Et donc on a 5 catégories. On a une catégorie innovation, catégorie start-up, catégorie prestataire, catégorie e-commerce et catégorie multicanal. Donc il y a des règles pour chacune des catégories, mais un dossier peut, être pertinent pour deux catégories. Et donc jouer sur les deux catégories, il peut très bien être éliminé pour une catégorie, mais retenu pour l'autre. Alors comment ça fonctionne? On a déjà une 60aine de dossiers. Il faut rendre ces dossiers pour le 14 décembre. Donc, il nous reste quoi, 4 semaines à peu près. Et donc, on va pas emmerder les candidats avec des tonnes et des tonnes d'administratifs. C'est une page Word et 5 slides PowerPoint. Et donc, comment ça fonctionne? J'ai réuni autour de moi un bureau de 6 personnes. Donc, le bureau de l'Internet Managers Club va sélectionner les 3 finalistes dans chaque catégorie, ce qui fera donc 15 nominés. Ces nominés seront soumis au vote des membres de l'IMC et à hauteur de 50% et aux membres du jury à hauteur de 50%. Donc, peuvent concourir bien sûr les membres de l'IMC, mais aussi, et je dirais surtout, les non-membres de l'IMC. D'ailleurs, les lauréats auront la possibilité ensuite de faire part du process d'intégration du club, sachant que c'est un club très sélectif, où les gens sont uniquement admis par cooptation, avec une validation très stricte du bureau. Donc, c'est la possibilité aussi pour ces lauréats, ceux qui sont finalistes, de pouvoir un jour prétendre rentrer dans ce club. Alors, donc, l'Internet Manager Club, c'est 400 personnes, tous les décideurs du web en France? Pas tous les décideurs, mais en tout cas, des dirigeants du web, avec une répartition très importante pour nous, 2/3 annonceurs donneurs d'ordre et 1/3 prestataires. Et on veut pas que ce soit l'inverse. Et c'est souvent l'inverse dans les clubs. Et du coup, ça devient une foire commerciale, ça devient très mercantile. Nous, on n'a absolument pas envie de gagner de l'argent dans ce club. On veut juste, voilà, avoir un niveau et une communauté influente dans le domaine du digital, dans le domaine du web, de l'e-commerce. Et donc faire en sorte que ces faiseurs, ces décideurs du web se rencontrent sans être pollués par des commerciaux qui viendraient leur proposer X ou Y. Ils veulent vraiment se retrouver entre... Il y a du business qui se fait, beaucoup de business qui se fait, mais c'est feutré et c'est fait proprement entre John Clemens et pas entre prestataires qui ont dépensé 5000 euros pour aller chercher des leads. Ouais, d'ailleurs, vous mettez en place des dîners, hein, les dîners d'Internet Manager Club, où là, on est plus centré sur la discussion sur une thématique précise. Alors, on a des dîners mensuels, on est 30, 40, il n'y a pas de thématique, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est des gens du web, on ne parle pas forcément du web d'ailleurs, hein, on peut aussi avoir d'autres hobbies, et effectivement, de temps en temps, on a des thématiques, on a fait une spéciale mobile, une spéciale investisseur, on a fait Catherine Barba a lancé le Lab e-commerce dans un dîner, on a Vincent Ducré qui a sorti son livre lors d'un dîner. On a fait une spéciale politique à un mois des élections présidentielles avec le patron de l'équipe à gauche dans le digital et le patron de l'équipe à droite dans le digital. Donc voilà, de temps en temps, on a des dîners thématiques pour, voilà, à la demande souvent de nos membres. On a eu aussi, il y a un an et demi, 2 membres qui sont à San Francisco, qui étaient pour l'occasion à Paris. Ils ont voulu donner leur témoignage de ce qui se passe à la vallée, des tendances. On a beaucoup entendu parler, par exemple, de téléconnecté, la nouvelle révolution de la télé associée au Web 2. Donc voilà, c'est intéressant pour nos membres français d'avoir ce qui se passe et ce qui devrait arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années en France. Ok, ben merci pour toutes ces infos Hervé. Et donc, pour s'inscrire donc au Awards, il faut aller sur quel site internet? internetmanagersclub.com. Et d'ailleurs, on a une toute nouvelle mouture là qui va être publiée. Là, on est quoi? On est aujourd'hui, on est le 16-17 novembre. D'ici 2 jours, on publie la V2 du site avec donc une catégorie Awards pour pouvoir donc demander son dossier de candidature. Bah, merci Hervé, à très bientôt. Merci.